Hop, on a changé. Voilà, parce que ça fait quand même 1 heure et quelques. Comment ça se fait que personne à l'hôpital a marqué tout ça? Oh, fait chier. Ah. Lock, hein. C'est dommage que je peux pas avoir. J'aurais bien utilisé de prendre l'herbe et l'utiliser. Je sais plus, je crois que dans certains outils on peut faire. J'ai un doute. Oh putain, il y avait une sacoche en plus. Bon. Là on arrive à la phase de Nikolai. Grâce à ça, tu me dis que j'avais une terre de verte terre, mais je peux refaire des mélanges. Refaisons un point poudre. Je peux me refaire des balles explosives. Ah non, des balles d'acide. Est-ce que... Okay. Ah, balles d'acide, je vois pas l'intérêt à part pour le boss. Le balles d'acide, si, ça enlève la protection des hunters, mais... Si là, autant que je fous 3 balles de pompe, quoi. Un niveau poudre noire. Manger. Ah, et que je peux. Ouais. Charger avec. Est-ce que je suis bien équipé? Mon chargeur de pistolet, sachant que je retrouverai des balles de pistolet en chemin. Faut évidemment un spray sur moi. J'ai le magnum au cas où si je croise des zombies blancs à la con. J'ai le lance-grenade pour on sait qui, Hunter Gamma. Et des Hunter classiques. Est-ce que j'ai sauvegardé il y a 2 secondes? Peut-être bien. Personne, c'est qui je les ai. Eh, mais il y a du Fiven Kish, mais je déconne. Parler, on peut parler avec. Zombie scripté de merde qui vont se réveiller en bidule. Oh, tant pis, on s'est fait tous. Est-ce que je me le fais pour être tranquille? Non. Quoi? Retry. On retry la save. Yeah. Parce que je suis pas foutu, je tuerai sur. En fait, j'hésite quand je tire avec les balles, non, j'ai tellement pas envie de le gâcher que je veux être sûr de mon coup, quoi. Puis il tombe d'où? Que dalle! Conaille. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Parce que je suis peut-être fatigué. Je dois l'avouer, ta ténacité force le respect. Mais j'ai bien peur que la partie s'achève ici. Mais je suis con. C'est fini. Voilà. Ah oui, là, je suis sûr que j'y bouge pas.
Il est au sol, il tombe, paf, tu le fous dessus, direct. Avant qu'il bouge. Qu'est-ce que j'avais dit? Que j'avais récupéré des munitions de pistolet en chemin. Si tu me dis qu'ils ont remplacé un Enter Gamma, enfin des zombies par Enter Gamma lui aussi ici, ce qui m'étonnerait pas du tout, c'est des. Ils sont géniaux. Quand tu descends et que tu vois une putain de grosse bouche à la Plagas qui est juste en face de ta gueule. Stress que j'ai eu. C'est là que je me dis j'aurais dû prendre les lance-grenades munitions enflammées là. Y'a pas de chien à la place. Par contre y'a pas de chien du coup. Pas plus mal entre. Attends, j'avais bien tout fouillé. J'ai un doute. Ici, j'ai étouffé. Putain, le mode cauchemar va te surprendre, quoi. Tu sais, tu descends, tu t'attends qu'il y ait des chiens qui viennent et tout. Là, tu vas voir que ça va être un palais d'Alakan. Non, c'est toujours les zombies. Je sais pas pourquoi, dans l'eau, il y a un zombie. Fais pas le connard, je sais que t'es vivant. Lève-toi. Je sais que t'es vivant, mais tu me l'auras pas. Bon, en fait, il est mort. Ça va, ici, je stresse pas trop. Y'a juste des trucs inattendus qui peuvent me faire flipper un peu, voilà, comme là tout à l'heure. En plus, tu entends bien le bruit, tu me dis, bah tiens, c'est là-bas. Et d'un coup, tu te dis quand même, c'est quand même assez long, assez proche le bruit quand même. Yeah, cette amélioration que j'aurais kiffé avoir depuis le début du jeu. Comme le jeu où t'as au moins chez 10 000 améliorations dans une arme, quoi. Eh, tu sais qui est intelligent qui a oublié de remonter la plateforme? Attends, je vais là-bas, mais est-ce que j'aurai cette place que j'ai? Un truc? Ouais, bon, on verra bien. La 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 supérieur. Et je vais revenir ici parce que j'ai plus de place. Alors est-ce que c'est encore des zombies? Y a rien même dedans. Ils sont où les zombies? Bah. Ah, y'a quoi dedans du coup? Ah!
Oui, pourquoi? Mais y'a combien de schleps là? Avec lance-grenade, je les ai pas tous tués d'ailleurs! Toi, 12 pour une arme verte quoi. J'ai vu le chien, j'ai même pas entendu que le Hunter Gamma il ouvre sa bouche. Hein. Sauf qu'il y en a qui ont réussi à passer. Putain, il y avait au moins 4 chiens ou 5. Là, il me reste 3 lance-grenades pour. Hunter, je sais qu'il y a un zombie à la con. Pour lui, voilà. Mais ta mère, putain. Je savais que j'aurais dû prendre le fusil à pompe et c'était trop proche. Lui, il a pas eu le temps de comprendre. Quoi, on va voir ça parce que une couille peut très vite arriver encore. Me reste une flash. Là, je sais quand l'utiliser. Ça m'étonne qu'ils ont pas mis d'Hunter ici, tiens, pour le plaisir. Enfin d'Hunter, de liqueur. Non, là je reviens en arrière, je suis con. Bon, une balance grade gâchée, c'est pas grave. C'est le jeu. Ça me le fout les boules. J'ai encore oublié un objet. À chaque fois que j'oublie un objet, je ne sais pas où. Tant pis. Hein. J'ai encore une poudre avec une poudre supérieure, donc je pourrais me refaire des balles de pompe, mais non, je préfère garder pour une autre poudre supérieure. Donc si à la fin je trouve rien d'autre à la place. Lance-grenade, est-ce que j'en ai besoin tout de suite? Non. Si j'ai que des acides et des explosifs, ça ne me sert plus à rien. Si j'ai des mines, et voilà. Hop, on refait un stack de pompes. En soi, on est correct. Vraiment très correct. Faudrait encore une poudre. Ah, attends, si, si. Pour être sûr, hein, parce que je sais pas ce qu'ils vont me donner. Ouais. La flash, je la vois que ce moment-là, elle a claqué.
vaccin devrait être par là. T'es sûr que tu veux pas rester là ? Pourquoi faire ? Je viens avec toi. D'accord. Alors on continue. Au rush final, Litty. Toi, tu vas te lever. Pardon. Toi, oui. Ah bah non. Eh, qu'est-ce que j'avais dit? Au cœur de la poudre supérieure. Sur plein de balles de magnum. On va récupérer lance-grenade au cas où si je récupère des mines. Bon, bah ouais, franchement, pendant qu'on y est, hop. Full balle de magnum. Pistolet. Je vais les garder sur moi parce que le pistolet, ça va être bien pour la forme finale. Non, on soignera quand je redescendrai de là-haut. Voilà, c'est là que j'aurai du save. Pour économiser cette balle de magnum de ouf. Confinement. J'avais jamais fait gaffe, tiens. Poudre supérieure encore. Toi par contre tu vas te lever. Non, c'est bon. Je suis pas rano en fait à ce point là. Donc j'ai zappé. Pum 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 pum. Bon. Alors ça mérite une recharge là. Putain, j'avais pas fait gaffe, celui qui tombait, il se transformait en tête de queue là. Merde.
Quel monstre de merde a inventé dans le jeu? Dis tiens, tu me diras, c'est logique, Nemesis c'est une sorte de parasite. Oh, c'était radical ce que j'ai fait. Merde. Attends, j'ai un truc coincé au nez. J'arrive à un stade, j'ai même plus envie de foutre des coups de couteau. 3 balles de pistolet quand ils sont au sol et c'est parfait. De toute façon dans Street 2 c'est ce que je faisais, hein. Pompe et tout quand ils sont au sol, hop t'étais sûr que t'étais tranquille. Hein. Vu que le couteau était rare. Ouais, j'ai tellement d'objets qu'il va falloir déjà que je revienne au coffre. De toute façon le coffre il est à côté. Hop, une petite save supplémentaire. Moi je garde mon lance-grenade, mais c'est vraiment le cas où. Si je récupère des poudres. Oui, attends, oui, eh, si je récupère des poudres. Si je garde ça. Au cas où c'est pour les hunters tout à l'heure. Parce que les hunters j'ai pas envie de me les faire au fusil à pompe les 3. Hein. Je me disais bien. Alors c'est moi ou ce con? C'est pas plus mal qu'ils soient en tête de cul comme ça, c'est plus facile à les tuer. Eh, hey, tiens, j'avais dit quoi? Non, quoi? Ah, c'est un tout nu? Merde. Un tout nu ou un blanc? Dans Resident Evil 1, il y avait des zombies tout nus à poil et tout, on les appelait les zombies tout nus. Pourquoi? Alors, ça avance dans le jeu? Eh yeah, bah ça avance. Putain, la partie avec Carlos, j'étais au poil de cul près en munant. Et en plus, dans... Bah oui, mais si t'as fini en enfer, si t'as des trucs, c'est que ça, t'as des liqueurs dans l'hôpital, j'y m'y attendais pas. Tu vois des liqueurs dans l'hôpital et tout, tu fais pardon, qu'est-ce que vous parlez là? Et l'Enter, putain, à la fin, il te donne qu'une grenade flash, alors que t'en as plein de grenades d'habitude. Là, tu fais, putain, les salauds, j'ai des Enter, je sais pas comment je vais les tuer. J'ai eu la cinématique où les zombies ont ouvert la porte, je me suis fait avoir. Et j'ai failli m'en faire avoir, il restait qu'une planche, tu vois, qui tenait la porte. Mais c'est ouf, les zombies, ils vont te voir ce qu'il y a dans la pièce à côté, alors que t'es là en train de les tirer dessus. Comment tu auras 6 points pour débloquer leur socket quand tu auras fini cette partie. J'irai tu vois, je suis à deux doigts d'hésiter si je le fais à la loyale ou pas le mois d'enfer. Hop, c'est orange, c'est orange. À deux doigts, hein.
En fait, les scènes avec Jill, ça va. Quoique Nemesis, il était chaud, hein, les passages avec Nemesis. Mais le Nemesis, par contre, du Beffroi, en face du Beffroi, ça a été, c'est du first try, je l'ai eu facilement. Il manque. Tu veux voir le boss, tu vas rigoler. Ouais. Quoi, un cauchemar ou un enfer? Cauchemar déjà. Mais t'inquiète, t'inquiète. Je vais me le faire, les doigts dans le nez, tu vas voir. First try. Au pistolet. Parce que j'aurais plus que ça. Non, parce que le boss final, tu veux pas te le faire lance-grenade ou au pompe. Hein. Je suis en train de réfléchir. Pompe. Magnum. Pompe. Je sais que hardcore en lance-grenade, c'est une connerie de claquer les balles de lance-grenade contre eux. Bon, il sort le zombie là! Mais hé! Comment tu veux me choper d'ici toi, connard? Putain, enfin il réfléchit. Yeah! Des balles d'acide, putain. Eh, les balles d'acide, c'est vraiment les balles que je trouve qui sont inutiles. À part pour faire fondre l'armoire. Enfin, l'armoire. L'armure d'Hunter. On va me retrouver avec une poudre en taux là. Bon là par contre je vais creuser l'Hunter sans soin. Ça va être génial. Mais bon je pense que mode enfer psychologiquement je vais pas vouloir le faire en étant réglo. Quoi? Putain. T'es comment save? Eh, c'est décidé, on en fait, je le ferai. Eh, je le ferai avec l'ensemble qui est infini. Ah, je reprends là. Oh, quel enculé, il faut que je refasse les zombies là-haut. Bon du coup je récupère mon sang. Bon, là au cas où j'ai le soin.
si un mec le finit sans mourir, sans les pièces et sans les armes limitées, chapeau, on va en faire. Non, m'influence pas, s'il te plaît. M'influence pas. Bon, alors, le truc. Finalement. Est-ce qu'on calquerait pas les balles d'acide au début? Non, je sens que tu veux que je le fasse. Et je mettrai comme titre mode enfer sans les armes bonus, sans rien. À la loyale. Et prends ton temps à changer, lance-grenade! Ah oui, là si tu recharges ça va pas le faire. Non mais non! Est-ce que j'ai pas oublié de recharger mon fusil à pompe tout à l'heure? Chose qui m'arrive très rarement. Enfin, que j'oublie très rarement. Putain. Oh mais non, comment j'ai pu rater la balle de Magnum ce coup-ci? Putain. Si on se fait pas baise. Chose se passe, j'imagine dans mon enfer quand tu as 5 sauvegardes. Oh, j'ai oublié ce trop si c'est trop. Putain, tu me démoralises. Tu veux me démoraliser, c'est ça? Mais attends, encore, y'a pas les tyrans. Ils sont juste là, qui se lèvent, hein. Surtout qu'il y en a beaucoup qui sont imparfaits, mais. Imagine. Putain, ça sert à rien les balles d'acide. Surtout, faut pas que je reste ici. Mais d'où tu t'attaques ton pote derrière? Mais d'où vous me laissez pas me relever? Et mon pote qui fait, mais l'Hunter c'est de la merde! Je fais que difficulté normale! Tu savais. Non, sinon, avec les survivants, j'arrive à gagner de temps en temps quand j'ai une équipe sensée. Quand le mec a un deck de merde surtout. Il manquerait presque un classement sur le multijoueur pour le fun. Eh, meilleure arme du multi, Matilda. Tu le prends avec Jan qui a les bonus des dégâts sur les caméras. Au top. En plus, t'as plein de balles parce que t'as trafic
t'as piratage du coffre, donc t'as les prix sont moins chers, donc du coup t'as beaucoup de balles. Qui dit moins cher dit tu peux prendre plus de grenades et tout. Pisterbe. C'est stocké. Voilà. J'arrive à un point où je commence à en avoir ras le cul. Parce que une balle de magnum, on sait tous qu'une balle de magnum c'est précieux. Une balle de magnum ça peut changer ta vie. Une balle de magnum c'est une brochette d'ennemis. Tu vois, j'aurais une grenade contre les hunters. Sauf que depuis que j'ai récupéré Jill, depuis 9-6, j'ai pas récupéré de grenade. Et comme par hasard, il a décidé de sortir en deux speed, mais à la vitesse du Nemesis, tu vois. Tu vois que j'ai besoin de sommeil là. Ah là, ça va plus, ça va plus, ça va plus, ça va plus, ça va plus. Mais putain! M'énerve de bouger imprévisible, cet enculé! Bon, c'est bon, là pour une. Des fois, je me dis. Ah non, mais ça sert à rien les instrumentaires contre. Enter, c'était déjà testé. Tu sais quoi? Ras le cul, ils vont bouffer du magnum. Le boss, la première phase de Nemesis, je peux me le faire sans magnum. C'est le seul jeu où le magnum j'utilise rarement contre les boss. Hein. Pourquoi j'ai rechargé? J'ai claqué tous mes mal de bagnum tellement j'en ai marre contre eux. Là c'est net, là c'était mes dernières balles. Là j'en aurais plus. J'avais oublié une herbe. Je peux la claquer. Il y a moins de zombies blancs que mode hardcore, ou c'est une impression. Dans cette pièce en tout cas. Moi il y avait un repos. Ah putain, j'étais. Ah non, c'est bon. Ah, les types passent niveau 44. C'est quoi, j'ai pas souffert dans la bonne save, je crois. C'est pas grave.
J'ai pas repris dans l'ordre. Est-ce qu'il serait capable de me remettre un zombie entre temps? Non, ça va, c'est pas des putes à ce point-là. Oh putain, alors ça c'est l'énigme, au début tu dis putain, il est hyper dur, tu sais, la première fois tu dis putain, c'est chaud. Tu sais, t'es en train de réfléchir comment bouger le truc. Alors qu'en vrai. Bah putain, j'étais bon. Alors qu'en vrai, tu bouges un peu au hasard. En ce moment, qu'il n'y a pas un succès comme dans Resident Evil 2 où il faut le faire en moins de 5 moves. Effectué. Chaque fois, j'ai un doute s'il y a un objet ici. Alors, la prochaine phase de boss, en fait, ce qui me fait le plus chier, c'est même pas Nemesis, c'est les zombies. Les zombies me cassaient plus les couilles en hardcore que. Que le Nemesis. Si les physiques commencent à mitoyer, bah ça c'est vite fait, tu spawnan. Mais faut vraiment rien ramasser, c'est vraiment tu te concentres que sur les physiques. Moi je l'ai fait avant que je puisse streamer. Comme ça je me dis c'est fait, mais bon, faut que je le refasse pour le défi. Et du coup, comme j'ai tout remis à zéro. Attends. Pff, on est comment? Magnum, c'est mort. Couteau, je vais plus l'utiliser. Niveau poudre. Attends. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je vais prendre ça tout de suite parce que je sais que ça, il y a ça. Niveau poudre, j'en aurais plus. Donc autant les claquer pour des balles de pompe pour le coup. Bah ça j'ai plus que ça donc autant claquer pour les balles incendiaires. Vos soins ça va le faire. Toutes les balles de lance-grenade faut que je les claque. Donc pistolet. Je vois pas l'intérêt d'en avoir. Pistolet, je le dégage. J'ai les balles les plus importantes du moment. Ça. Est-ce que j'ai tout ramassé? Oh le con! J'aurais pu me refaire des balles de Magnum. Ah, tant pis. C'est ma faute. J'ai plus de poudre. Donc oui, je disais. Les balles de pistolet, je vois pas l'intérêt. J'ai besoin de toutes mes balles de lance-grenade et que mon fusil à pompe que je vais récupérer des balles entre temps. Parce que c'est lié à ça. Oh, oui, pour le fusil, oui. Oui, je l'ai. Oui, entre temps encore. J'ai tellement de soins. Que je peux me permettre d'en claquer un. Là c'est le moment de claquer toutes mes balances grades. C'est con, j'aurais eu activé les bonus de sacoche. On peut en avoir 4 en plus. Et j'ai oublié de recharger mes balles lance-grenades.
Pourquoi j'ai pas esquivé? Besoin du pistolet. C'est pas grave. J'ai dû prendre au moins le petit pistolet là qui prend une place. Putain, quel con. Pour tirer sur les trucs électriques. Du coup, faut très vite. Merde. Faut que j'aille que lance-mine comme ça. Attention, t'as de la compagnie. Ah, ils ont mis 4 zombies au lieu de 3. C'est la première fois qu'il me fait ce genre de move. Ah bâtard. Oh les bâtards, ils ont mis des zombies blancs. Oh puis il s'est arrêté là quoi, non c'est dégueulasse. C'est bon, on l'a eu. Oh putain. Où est-ce que t'es passé? J'ai first try les deux. Mais en fait le plus chaud, c'est même pas le boss, c'est les zombies, c'est... faut que tu les surveilles quoi. J'aurais kiffé qu'un truc. Tu sais que pendant toute ma première game, j'ai cherché tous les moyens d'avoir la deuxième fin. La fin où Barry va te chercher. Ça me sert plus à rien, ça me sert plus à rien malheureusement. Je suis obligé d'aller au pistolet. Lance-mine. Ah si, lance-mine ça peut viser bien.
Allez, je prends le magnum pour me dire au cas où s'ils me mettent des balles de magnum. J'y crois pas. Supérieur. Gardez une balle de lance-mine, est-ce que ça vaut le coup d'en prendre un soin? Alors je sais plus si je t'en ai parlé hier, Video Games. La première fois que j'ai fait le boss final, quand j'ai entendu cette musique, j'étais comme ça. Et là j'étais en train de me dire... J'étais en train de râler disant putain y'a pas de musique, tu sais j'étais tout seul et tout. Tu sais c'était quand je pouvais pas stream encore parce qu'il était sorti trop... Enfin je l'avais vu trop tôt le jeu. Je me suis dit putain c'est pas ma musique de boss final. J'étais en train de râler. Tiens putain ça me fait chier, ils ont pas remis la musique. Jusqu'à... Que je l'entende là, et là j'ai kiffé. Merde, faut le recharger. Ok, le lance-mine ça sert à rien. Je pense qu'on va passer un beau moment. Ça, ça dégage. Les mots d'enfer, c'est pire. Et attends, je suis au pistolet là. Vas-y, je peux pas récupérer de. Et que des mines de pistolet. Les gars, je veux juste checker ce qu'il y a. Et que des mines de pistolet. À quel moment on me donne des grenades à la fin du jeu? Grenade, ça le fait? Non, des grenades, ça le fait contre lui? C'est la première fois qu'il me fait ce coup là. Ça c'est clair maintenant. Oh
J'ai pas envie de rechanger mes armes à chaque fois. Courage, là. Ah ouais, bah là, au flingue. T'en as déjà vu des mecs faire le mode cauchemar au flingue ici? Le rage kit, c'est quand tu sentiras que je vais aller dans la boutique pour m'acheter le lance-roquette. Laisse-moi la possibilité que je donne une chance dès que tu m'as foutu un coup. J'ai presque envie de croire qu'avoir des soins, ça sert pas à grand-chose. Tu vois, c'est là que je me dis... Quelle connerie d'avoir claqué une balle de Magnum sur l'identitaire. Ah là, c'est le tuto des esquives, hein. Oh, j'arrive à un point, donnez-moi de sauvegarde auto ici. Alors, en fait, en mode enfer, t'es obligé de garder une save ici, toi. Alors, en fait, en mode enfer, tu saves. Enfin, oui, oui. Quand tu saves avant chaque boss. Ne touche pas ma main, pas la main. Nanana, enculé de monstre, il était tellement plus sympa à tuer dans l'original. Dans l'original, il fallait juste que tu recules, que tu bombardes et qu'il t'attende, qu'il va bouffer. Et après, tu faisais, on pousse les générateurs, on pousse les générateurs. Moi, je retourne dans le coffre. Ah, il me manque le boss original. Ah, c'était de la merde, mais c'était plus facile. Ah, on va passer combien de temps? Allez, mettons les pronostics. Combien de morts en tout, sachant que en comptant les débuts, hein. On va arriver aux centaines, hein, hein. On va peut-être 50. Pendant que tu recharges, connasse! Ah 10, 100, 150. Ouais, pas tant que ça. Dis-toi que ma première fois dans Stealth 4 en mode pro, à l'époque de la GameCube, hein, c'est 50 morts. Rien à voir avec Stealth 3. Oui. Tiens, t'as vu? Le prochain Resident Evil majeur qui était censé sortir, c'était un Révélation 3. Et au final, ce Resident Evil Révélation 3 devient Resident Evil 8. Donc, il y a des chances qu'on voit Alex Wesker. Si c'est censé. Si c'est toujours la Révélation 3, mais qu'ils ont juste changé le numéro, le nom.
on va voir Alex Wesker. Sauf si ils ont décidé de sortir Révélation 3 après et après avant ils ont fait un petit vide. Bref. Merde. Bon. C'est plus sympa que celui-là. S'il me laissait le temps au moins de me dire je me relève pour donner une moindre petite chance. Et tu me dis qu'en enfer c'est pire. Prends le temps d'esquiver avant de tirer. Ouais, bah alors. Des fois, je le vois pas les coups venir. Hein. Tu sais même pas quel coup il va faire, ces enculés. Bah, après, je veux faire un aveu, j'ai jamais réussi à l'esquiver correctement. Hein. De toute façon, tu regardes ma dernière partie en hardcore. J'ai claqué tous mes soins. Comme une merde. Et là, t'as même pas le temps de soigner quoi. Mais j'ai esquivé! Elle était en plein esquive! Elle était en. J'étais en mouvement d'esquive. Putain. Ta mère. Ah non, 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 je le fais à la réglo. Sans bonus. Parce que je suis un connard. Tu l'as senti passer, hein ? T'en veux encore ? Mais si, non, 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 là j'ai pas fait trop tôt là. Non, excusez-moi, là je l'ai esquivé là. La main elle était sur moi, elle a fait le mouvement d'esquive quand la main était sur moi. Putain. En plus, c'est toujours cette main là que j'arrive jamais à esquiver. Et après, forcément, il me fout un coup. Et après, il va me foutre un autre coup. Tu sais quoi, j'en ai marre. Juste parce que j'en ai marre de rechanger d'arme à chaque fois que j'en save. J'arrive à un point. De tryhard. Et en plus il faut que je le mette au sol 3 fois.
Ok, je l'ai pas vu venir. Du jour, je me dis, c'est peut-être mieux d'être resté au milieu. Putain, quand je vais arriver à une batterie activée, je vais être tellement être heureux qu'il va faire aller encore deux. Si seulement j'avais encore ce putain de magnum avec des balles, quoi. Si seulement j'avais pas fait ce putain de mélange des balles supérieures à la con, alors que j'en ai trouvé une autre après. J'aurais eu 3 balles de magnum. Tu m'aurais pas avancé, moi je peux encore prendre autre chose. Finalement, j'étais plus à l'aise quand j'étais à gauche. Qui a me touché. Faut que j'attende que les pistules poussent bien pour que je les tire dessus, au fait, ou ça sert à quelque chose de pré-shot, tout petit peu. Pas de question. Ça sert à rien de bourriner à tout esquive parce que si champagne esquive. Mais en fait, je suis en train de faire quoi là? Putain. Des fois, je me dis, est-ce que ce serait pas mieux de récupérer toutes les mines dès le début? Un tempo à avoir, ok.
Et puis si je fais la plupart au bon moment, j'ai pas l'esquive parfaite. Bon, vas-y, en vrai. Et au moins, juste ça en une. Parce que vu le nombre de balles qu'il me faut, à mon avis... C'est encore ces vagues comme ça et tout que j'ai pas encore le truc. Il a trois trucs. C'est le tam, tam, tam. Après il y a le tac 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 tam. Paf. Et le et paf. Mais sinon j'avais le truc. Tam 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 tam. Je n'ai connu des créatures pires à esquiver. Révélation 1. Révélation 1. Qu'est-ce que c'était horrible à esquiver les boss. Oh, je crois que le boss de Resident Evil de Révélation 1, c'était l'un des pires boss que j'ai combattu. En plus j'ai plein de soins, ça sert presque à rien quoi. Et j'imagine qu'en hardcore si j'ai pas les pièces il me tue en un coup. Ah j'ai pas pensé à esquive. Une rafale. Peut-être. J'ai fait 3 rafales pour paniquer. Il y a un moment donné j'avais le truc. J'avais le tempo, là je l'ai reperdu. Alors c'est à ça Guise quand il attaque quand il commence à attaquer en fait.
Mais non, je l'avais esquive bien. Putain. Mais j'esquive. C'est affolant. Non, non, là je l'esquive au bon moment là. Putain. Ce bras, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à l'esquiver. Je vais récupérer les balles de ce côté-là pour changer un peu. Ok, il y a des grues. J'avais oublié qu'il y avait des grues. Non, en vrai, je viens de la lancer, la grue, elle sert vraiment à rien, c'est décidé. Pourquoi ils nous passent des grenades? Pour faire quoi? Pour faire style, tiens, on a des grenades, on est des gentils, alors que j'en avais peut-être absolument besoin quand il y avait des hunters? Putain. Ouais, je voulais retenter le coup avec les grues. C'est définitif, ça ne sert à rien contre ce boss. Qui a utilisé des grenades contre ce boss, franchement? Le mieux. Tout ce qu'il y a, il pouvait pas me passer des balles de magnum. Ça aurait été cool, des balles de magnum. Non, mais ça. T'es peut-être pas con, toi. J'ai fait le même move que tout à l'heure, putain, j'ai esquivé au même moment que tout à l'heure. Les deux coups de revers à ma gauche qui fait, les deux coups à ma gauche qui fait, ne changent rien. Enfin, ils sont pas, ils changent rien, ils sont pas pareils. Il y a un truc qui change, je sais pas quoi. Et les chi, c'est quoi? Eh. Pourquoi pas tenter l'expérience? Si les balles de lance-grenade servent à quelque chose, Litty, je te nomme Modo. Balle enflammée, c'est bien ce que je pensais, ça sert à rien. On va tester le lance-mine. Ouais, on sait jamais. Peut-être c'est que. Peut-être que c'est que les balles enflammées qui servent à rien. Eh. C'est vrai que je me dis que j'aurais peut-être dû garder les balles de grenade. J'ai pas vu. J'ai tiré sur les pistules, ça. Bon, après j'étais mort dès le début. Mais lance-grenade dans la gueule. Why not? Pourquoi pas? Tu l'as senti passer, hein? T'en veux encore? Bon, ça le capte pas grand chose, hein. Et une balle de lance-mine sur son pistule, ça l'a pas fait quelque chose, donc l'utilité est pas moto.
te rends compte, une balle de mine ne pète pas une putain de pustule. Non mais de toute façon là j'ai... Il y a un seul coup, faut que j'ai le tempo et c'est bon. Bah ben non mais pourquoi je tire ? Ça va pas marcher. Ah j'allais me dire s'il me faut le coup là ce coup-ci. Perturbé, il a tapé deux fois avec la même main. C'est une excuse de merde, mais ça perturbe. Non mais ouais t'as vu, en plus avec la visée auto quand t'esquives. En fait je meurs beaucoup parce que je tire et je me concentre pas sur les esquives. Oh bâtard, avec son acide il m'a pété la gueule. C'est une impression où je fais des dégâts critiques en esquive. Là, les types, pour une fois, là, ce coup-ci, si, il est pas en train de faire autre chose en même temps, c'est il est à fond sur moi là. Il est à fond pour me dire putain, on y croit. Aller à la boutique pour prendre un lance-4, ce serait avouer ma défaite. J'ai appuyé trop tard. Non, j'ai arrêté Hannibal. Faut que je me remette à Animal Crossing, sinon ma soeur va jamais. En fait, il y a un truc de bâtard dans Animal Crossing. C'est que. Tu sais, t'as une île par Switch. Et le premier qui a joué au jeu, c'est le délégué insulaire. Et les autres sont pas délégués insulaires, tu vois. Et du coup, si je joue pas, le jeu avance pas. Y a pas d'avancée sur le jeu. Non, c'est par Switch, je crois. Non, je crois. De toute façon, tu ne regardes pas dans ta cartouche, donc oui, c'est par Switch. J'ai esquivé trop tôt. Qu'est-ce qui m'a pris ? Sur DS, oui. Parce que la sauvegarde était dans ta cartouche. Tu sauvegardes pas dans ta cartouche, Letty. Tu sauvegardes sur ta Switch. Tu sauvegardes dans ta cartouche ? Bah, ok, bah. My bad alors.
Mais en plus, je dis à Vidal Games, t'inquiète pas, le boss final, on va se le faire. Ouais, bon. Putain, j'aurais dû fermer ma gueule. Tu l'as senti passer, hein? T'en veux encore? J'avais esquivé. Trop tard. Une demi-seconde trop tard. Tu sais quoi? Au bout de 2 heures de rediff, donc je suis à 1h27 de rediff, je craque et je relance Rocket. Mais t'imagines? Il faut que je le fasse 3 fois ça! Et à mon avis, il va avoir encore plus de pustules après! Merde, putain, oui, excuse. J'ai esquivé, il a pas réagi, putain. Ça commence à me foutre les nerfs. Ça commence à me foutre les nerfs. Il y a des rangs à faire. Cette difficulté abusée. Moi je serais le développeur, j'aurais dit finir en mode enfer sans les armes bonus. Ah, ça aurait été marqué dans le succès. Ça aurait été terrible. Ça, j'étais pas encore habitué à ce coup-là. Bon courage, à plus tard. Ouais, bah je crois que finalement je vais pas attendre 2 heures de rediff. À minuit, je craque. Dernière try, je craque. Dernière try. Qu'est-ce que j'ai à vouloir esquiver trop tôt? Ça se trouve au moment d'enfer j'aurai un meilleur tempo à vouloir esquiver plus tôt que je pense. Tu vas vouloir esquiver plus tôt. Je m'attends qu'il va taper encore plus vite. Et le fait qu'il soit en enfer, il va taper plus vite. Et ça se trouve c'est là que j'aurai un meilleur tempo. T'imagines? Le boss va pas assez vite pour moi. Tu l'as senti passer, hein? T'en
Ça m'énerve, cette esquive là va me rendre fou. C'est bon, j'arrête. On va s'acheter le lance-roquette. Hein, ça commence à me les briser. Bon, on va s'acheter des pièces. Je sais pas, c'est pour ce roquette, c'est comme une blague. J'imagine, j'arrive à un point, je vais utiliser les pièces. Là, j'ai plus de place pour ramasser les objets. Donc... Cette esquive, je vais l'esquiver. Bah, j'ai fait si, je l'ai esquivé en fait là. C'est juste que le deuxième coup, il me le fout trop vite maintenant. C'est quand même le combo de l'enfer. Ça va quand ces pièces regen, défense et attaque. Et j'avais pas assez pour prendre lance-roquette. Esquive.
Mais quoi? Putain d'acide de merde. Bah oui, alors là. Oh bah pfff, lui. Acide de merde, putain! C'est affolant ça! Et vas-y, que j'étais en train de recharger en bon moment. Allez! Allez! Ici, je suis à deux doigts d'abandonner le cauchemar. Pour ce boss, à cause de ce boss. Le boss le plus simple de tout le jeu devient en cauchemar. Le boss le plus pété du monde. J'ai jamais galéré autant sur un boss. Jamais de ma vie j'ai galéré sur un boss dans un Resident Evil. À part le 7. En plus, j'ai pris des pièces de boost qui boostent l'attaque, je sais même pas pourquoi. Elles boostent que dalle. Mais c'est... Hey, l'acide de merde là de mes couilles! Putain, ça me le faisait pas avant! Et eh bah, ben, j'ai encore esquivé trop tôt, mais je sais pas s'il attaquera plus rapidement ou s'il pas quoi. Voilà, putain, voilà, j'en fais la même connerie. Et là, je suis mort.
Non, je suis du bol, ok, c'est bon. Mais on y croit? Ah, vraiment une frame où tu spams l'esquive, hein. Mais t'as vu, j'étais tellement bon, je connais tellement où ils sont et ces pistules à la con. Une fois, j'en ai enchaîné 3 pistules d'un coup. Oh putain, il me touchait ici. Oh, j'avais pas fait gaffe qu'il pouvait me toucher jusqu'à là. Putain, trop tard. Oh putain, je pensais qu'elle allait crier. Ah, je pensais qu'elle allait crier. J'ai merdé. Litty, j'ai le truc. Faut pas que j'envise une pistule quand j'esquive. Faut que je passe. Litty, t'y crois. T'y crois. Là, on bouge. Là, on touche la technique. La perfection pour le tuer. Mais en tout cas, s'il me faut au sol, faut pas que j'abandonne, faut que j'esquive. Après, c'est peut-être le fait que je sois pas en danger que j'ai pu esquiver. Hein.
Mais qu'est-ce que j'ai encore branlé? Qu'est-ce que j'ai branlé encore? Putain. Je recharge alors que je sais très bien, faut pas que je recharge. Mais là... Oh, Litchi! Litchi! On arrête tout. On arrête tout, on arrête tout. Ah, on arrête tout. Attends, on arrête tout. On arrête tout, on arrête tout. On arrête tout. Attends. Juste deux secondes. Merde, putain, on le voit encore. Ah non, c'est ça. Voilà. Non, merde. Litchi, regarde à partir de maintenant. Regarde ce que j'ai débloqué. Je viens d'en savoir un mail de Micromania avec le code détenu. C'est bon, c'était téléchargé instant. Merde, bon, ça s'affichera tout à l'heure. Comment ça, tout ça pour ça? La tenue de Jill Valentine en tenue originelle? T'es un connard, toi. Je le montrerai tout à l'heure. Mais du coup, ouais, c'est vrai que je peux pas l'équiper tout de suite, ça me fait chier. Ça aurait pu me donner de l'espoir. C'est pas marqué que je l'ai téléchargé. Ouais, la liste est boss de fin, ça fait au moins peut-être une heure et demie qu'on est dessus. Et j'ai craqué, j'ai acheté des pièces. En bonus. Dans la boutique du jeu. Enfin, dans la boutique du jeu avec les points. Ah oui, 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 ah oui, oui. Mais il est super rapide. Mais t'avais vu la fin, Lali, ou pas? Il
Oui, j'ai dit ok, mais c'est bon, si t'as vu, je passe les cinématiques. Merde! Putain, et voilà! Trop tôt. Putain, mais un coup j'y arrive pas. C'est ce qu'il veut. Astuce, c'est ce qu'il veut. Oh, la meilleure blague. T'es venu me pour mon troll, c'est ça l'allié. C'est bien, on récupère un soin pour le reclaquer. Et ce putain de... Putain des sites de merde. Mourir à cause de l'acide, tu te rends compte? C'est affolant. C'est bon. Mais non! Putain, le bras était déjà posé, Yannis, ça me tue! Putain, en plus, il va se relever ce con! L'avait tué. Il me restait juste à m'équiper d'Arikan. Non mais t'imagines, je suis mort. Parce que son bras se pose. Il est posé. On est tous témoins. Il était posé. Et ça a fait un... Paf. Boum. Ça m'a touché alors que j'étais même pas dessus. Ce qui m'a fait perdre mon temps pour activer la batterie. Et qu'est-ce qui se passe? Il me chope. En moins de temps. Je l'avais tué, il fallait juste que je prenne le Raigan. Je
l'avais tué. Bon, ça sert à tirer au début. Ah non, mais là, le dernier mode, je me suis dit, je vais être un bonhomme, je vais le faire à la loyale. J'ai changé d'avis depuis ce boss final. Et là, mon cousin, il m'invite en groupe d'amis. Hein ? Je suis pas d'humeur. Dans le jeu. Et les mecs, le temps que je tue le boss, il y en a déjà qu'ils ont déjà speedrunné le jeu. Deux fois. Putain, encore trop tôt, ce coup-là, quand il fait... Quand il met grave du temps à foutre son deuxième coup, ça me perturbe. Qui m'envoie un message? Non, les notifs. J'ai pas soigné, je me suis pas soigné entre temps. J'ai la haine, je l'avais tué tout à l'heure. Accusé d'un bras qui fait bam bam, hein, tué de bras qui tombe, hein, qui me fait perdre 10 secondes, hein. En plus, comme par hasard, je le mets au sol quand je suis à l'autre bout. Ouais, demain matin, je vais aller travailler. Hein, il manquerait plus qu'au moment que je gagne, il y a le boulot qui m'appelle. T'imagines ? Oh ta gueule, Nicolas. Et voilà, je m'en refais encore avoir. Et en fait, ce côté-là, c'est le côté maudit. Putain, j'étais en train de recharger comme un connard.
J'ai pas le temps d'aller au fond. En vrai, faudra que je fasse. Si je peux, faut que je fasse au fond direct. Pourquoi j'y arrive pas ce coup-ci? Ces esquives-là, je les maîtrise, je vois pas pourquoi maintenant je les maîtrise plus. Bon, en tout cas, depuis que Lali est là, j'ai plus avancé. Elle me porte à moitié bonheur, Lali. Mais avec Lithi qui porte malheur. Oui, c'est ce que je voulais faire, c'est ce que je voulais faire, je pensais que j'étais assez loin. Et au final il a rallongé son coup quoi. Plus que je pensais. Là si c'est le top, il me fait ses tombeaux, ok. Donc là il fait ça. Sauf que là. Là j'ai pas le choix, faut que j'esquive. Putain mais en fait c'est la première vague de pistule, il se protège avec ses bras j'ai l'impression. Et putain, c'était un coulant, fais chier. Ah, c'était un coulant, j'ai pas pu le temps d'esquiver. Quand il me fait ce coulant, ça me perturbe de ouf. Je préfère quand il fait un coup rapide. Ça, je fais tac, 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 tu vois, j'ai un tempo. Tac, tac, tac. Là, ça fait tac, tac, tac. En fait, j'ai l'impression que c'est plus sa première phase que j'ai du mal. Les autres phases, les pistules, ils sont bien en évidence. Là, ils sont en évidence, ils se cachent derrière les bras, quoi. En fait, la position, là où il se met en position avec les bras, c'est là qu'il les cache. Ça fait bim bam boum, va te faire enculer. Ah, mais je me concentre. Là, il va me faire quoi, là? Là, il va faire son tombeau. Tu vois là, c'est pistule qui le protège au bon moment. Oh bah vas-y, genre j'ai pas esquivé. Elle a commencé à esquiver. Le problème de la première phase, c'est que ces pistules sont placées en sorte que son putain de corps qui se met devant. Alors que le reste des pistules, tu sais pas pourquoi, ils sont tellement en évidence. MRDIF là il dure au moins 2h06 là. Et encore attends, Lali, en ce moment que j'ai des pièces de défense, d'assaut et tout, parce qu'au début j'ai commencé sans ces pièces là. Donc c'était en deux coups que je mourrais, pas trois. Donc comme il faisait un combo c'était mort. Ok il me fait son tap tap. Là j'y arrive. Là y'a son bras qui me chaîne. Là c'est direct. Putain et en plus je le savais que c'était du direct. Ah c'est lent. Mais putain je l'ai esquivé. Là il va crier. Ah ouais là j'avais pas prévu qu'il tape direct. Ok là je vais au fond.
J'ai presque envie de tenter les deux d'un coup. Non. Ah, c'est un coulant. Merde. Ah, je pensais qu'il y avait deux coulants, je pensais que c'était que deux coups. J'ai pas choix. Voilà, tant pis, il est à côté, autant le faire celui-là. Oh, je laisse la cinématique pour le plaisir. Ça me fait chier qu'il n'y a pas la scène. Il y a un bout de Nemesis qui est encore vivant et qui arrive et qui te jette un acide, t'esquive. Tu prends un magnum qui était par terre à côté et tu fais tac, bam, bam, et la cinquième balle, bam. Et après la sixième, elle sert. Les stars ne meurent jamais. Rentre ça dans ton crâne. Bam. Non, c'est rentre ça dans ton crâne, les stars ne meurent jamais. Je crois que c'est ça. Attends, est-ce que j'ai une save? C'est pas fini. Y'a pas de save auto là. Si, y'a une save auto. C'est bon. Ah, c'est bon, hop, on se casse. Oh, vas-y, on se casse. Ah, vas-y, on se casse. Ah, vas-y. Ah, rien à foutre, hop. Cinquante-et-un morts. Ah, mauvaise fin. De quoi mauvaise fin? En fait, il n'y a qu'une fin.
D'accord, y'a qu'une fin. C'est dans Resident Evil original qui a trop de... Troll là. Non, ouais, ok, c'est bien ce que je pensais. Non, y a deux fins, c'est la fin où tu meurs et la fin où tu meurs pas. Y a la fin, si tu tires pas, Nicolas, il te plante un coup de couteau. Non, y a la... Non, la, je viens de regarder, y a la fin où tu rates ton coup. Et tu te fais tuer et... C'est dans l'original, il y a deux fins, c'est y a l'autre con qui se barre avec l'hélicoptère. Regarde, je regarde, c'est la deuxième fois que je regarde. J'ai vu deux vidéos différentes. T'as une fin où tu meurs avec le lancer de couteau sur ta tête, et t'as la fin où tu le tues. Y'a que ça comme fin, la vie. Et dans Resident Evil, et dans l'original, t'avais deux fins. En fait, ça dépendait des choix que tu faisais quand t'arrivais à la zone désinfectée. Ça dépendait si tu sautais du pont ou pas. Et t'avais une fin où Nikolai se barrait avec l'hélicoptère et c'était Barry qui venait te chercher. Ça, c'est dans l'original. Bah, j'ai pas la mauvaise fin. La mauvaise fin, c'est quand tu meurs. Bah non, elle meurt pas. Elle est dans Studio Révélation, ouais, Studio 5. Et quand on la croit morte, c'est quand elle se tombe avec Wesker. À aucun moment, ils disent dans R4, elle est morte. Ou si elle est morte, c'est à cause dans le manoir de Spencer. Elle n'est pas morte. Ah bah oui. Non, il s'est planté, il connaît. Attends. Moi je connais l'histoire à par cœur, la vie. De tout A à Z. Resident Evil 3, l'original. Je te parle de l'original. Alors, t'as deux fins. Comme je te dis, t'as la fin où Nicolas se barre avec l'hélicoptère, et t'as Barry qui vient te chercher. T'as la fin, Nicolas se fait tuer par le M6, et tu prends l'hélicoptère. Là, ils ont modifié un peu la fin où tu te barres avec l'hélicoptère, c'est... Tu niques Nicolas et tu te barres en hélicoptère, t'es vivant. Parce que Jill, elle part dans Umbrella Chronique, elle part avec Chris pour détruire une base Umbrella. Avant 2008, donc 2007, peut-être 2006, Chris et Jill vont... Enfin, avant Resident Evil 5, ils vont dans le manoir Spencer pour choper Spencer, mais ils se retrouvent contre Wesker. Là, on croit que Jill est morte, avant Resident Evil 5. C'est à ce moment-là qu'on croit qu'elle est morte, et en fait, elle est toujours vivante, elle est possédée par Wesker. Et de toute façon, t'as le combat Chris contre Jill dans Resident Evil 5. Donc, je peux pas me tromper. Hein. Et puis, on joue Jill Valentine dans Resident Evil 1. Dans Resident Evil Révélation 1. Ce qui se passe avant Resident Evil 5. Resident Evil 4, à aucun moment, mais à zéro moment, ça nous parle de Jill qui est morte. Jamais. Je sais même pas si Léon connaît Jill.
et d'en rester au Révélation 2, on a des documents de ce qui se passe après de Jill, après Restu 5. Non, bon, elle est en quarantaine, en train de pouvoir si les virus, il n'y aura pas d'effets secondaires, toutes les conneries. Et on ne sait pas plus depuis 2008, on ne sait pas trop ce qu'elle devient. Ah oh, oui, putain, et quand même, pendant 12 ans, tu sais pas ce que devient Jill. Et là, la mauvaise fin, de toute façon, t'es un gamer. Là, la mauvaise fin, c'est tu te prends un couteau dans la gueule et tu reviens en point de sauvegarde, t'as pas fini le jeu. C'est game over. T'as regardé quel streamer pour te raconter une connerie pareille? Au fait, au passage. Oui, enfin, la mort des équipes Stars, entre guillemets, t'en as 3, t'as 4 survivants. L'équipe Stars s'est fait décimer dans, s'est fait décimer, ça a été dissoute. Mais t'as toujours Chris, t'as toujours Jill, t'as toujours Brady, t'as toujours Rebecca, t'as les 4. T'as 4 survivants des Stars. Si Rebecca, tu sais. Ah, mais hé. Suis pas des connards comme ça. Hein. Eh, si tu veux, je connais quelqu'un, Lena, qui sait tout de A à Z sur Resident Evil, encore plus que moi. Elle se connaît tous les bagons et les bouquins et toutes les conneries. J'ai même pas follow. Eh, si tu veux, Lali, j'ai même le bouquin qui raconte toute l'histoire de tout Resident Evil jusqu'à. Je sais pas si elle assiste dessus. Mais Lali, dès le moment que t'as Jill dans Resident Evil 5. Et Révélation 1, elle est étudiante. Et sinon, Lali. Non, c'est là-dedans. Putain, mais. C'est pas téléchargé cette merde! Oui, installe-le-moi! Lali, depuis l'âge de mes 6 ans, je connais Resident Evil. Ça se trouve, ce connard, il t'affirme ça alors qu'il est même pas né quand Resident Evil 3 est sorti. Ça prend tant de place que ça, le paquet de tenue? Bah non, ah bah c'est un connard. Depuis l'âge de mes 6 ans, je joue à Resident Evil. Je connais. C'est ma série de jeux préférés. Si tu me demandes une série de jeux à faire. Il avait l'air très jeune. Ah bah voilà. Tu vois, il sait même pas, ça se trouve, il sait même pas de quoi il parle. Ça se trouve, il a. Tu lui demandes ce qu'il a. Si tu vas le revoir, tu lui dis, est-ce que t'as joué à Resident Evil 5? Ah parce qu'il y a Jill dans Resident Evil 5. Hein. Et il y a Jill dans Révélation 1. Titi, tu mérites un ban pour vous dire ça. Oui, c'est de la merde. Il est juste beau, il y a juste des bonnes musiques, sinon c'est un jeu de merde. Voilà. Je veux pas me faire des amis en disant ça. Eh, mais par contre, eh, mais il est lourd. Attends. Il fait combien de poids le pack de tenue? Eh. Le jeu est tellement court qu'il fait que, quand même que 21 gigas quoi. Suis en train de prolonger ma rediff qui est à 2h22 là, juste pour voir la tenue. Lali, tu n'as jamais vu les autres individus après le 4? Attends, tu connais quelle raison tu la lis? Alors, Lali, je vais être content de t'annoncer quelque chose. Quand je vais être en vacances d'été,
Comme il y a, j'ai tout, ben non, du coup il y a toute la série parce que je voulais pas le faire parce qu'il manquait le 3 à refaire. Je pouvais pas le. Ce qui est prévu, c'est que je fasse un marathon Resident Evil dans l'ordre chronologique. Que je sache que c'est l'ordre chronologique. Oui. Je vais faire Resident Evil 0, le 1, le 2, le 3, le cas de Veronica. 4. Révélation 5. Révélation 2. Et le 7. Donc fin juin, début juillet. Et certains jeux, ce sera normal, d'autres, ce sera en difficile. Parce qu'il faut pas déconner. Alors, sachant que Resident Evil 0, je le ferai en normal parce que le mode difficile, il est vraiment, vraiment, vraiment dur. J'ai pété autant de plombs sur Resident Evil 0 que là, hein, le boss final. Pour des raisons que je t'expliquerai quand le moment sera venu. Resident Evil 1, je maîtrise le mode survie. Par contre, je ferai Jill et Chris dans Resident Evil 1. Je ferai pas qu'un perso, je ferai les deux. Mode survie. Parce que sinon, le jeu est trop simple pour moi. Je dis ça avec Chris, je suis même pas sûr d'y arriver. Bon, bref. Resident Evil 2 en hardcore parce que je maîtrise le hardcore dans Resident Evil 2. Resident Evil 3 en hardcore parce que je maîtrise le hardcore dans Resident Evil 3 et je referai pas un cauchemar avec les armes. Tous sont les armes bonus. Hein. Resident Evil 4 en pro, allez, parce que je vais peut-être rager dessus un peu à la fin. Enfin, en pro, allez. Resident Evil 5 en vétéran parce qu'en pro c'est abusé. Resident Evil Révélation, on restera en normal, hein, parce que le mode hardcore là-dedans, en fait, faut avoir les armes bonus, faut être cheaté et tout, enfin, bref. Resident Evil Révélation 2 en normal, parce que le mode hardcore, j'ai pété un plomb aussi dessus. Resident Evil 5 en vétéran. Parce qu'il faut quand même un peu de défi. Resident Evil 6. Pas en cauchemar, en pro en tout cas, peut-être. À voir. Parce que Resident Evil 6 fait partie des Resident Evil quand même les plus durs. En difficulté max. Yes! Merde. Je quitte le jeu, il faut que je relance. Et Resident Evil 7. En mode normal, parce que j'ai pas envie de refaire ce genre difficile. J'ai pas envie, j'ai pas envie. J'ai pas envie de retourner. Resident Evil 7, j'en ai des cauchemars du mode difficile. Resident Evil 7, j'y vais en mode normal, rien à battre. Ou si, je le fais en difficile, mais avec mes armes à moi, les armes bonus. Sauf que ce serait pas marrant pour un marathon. Je veux retourner sur Resident Evil 7, ça va me faire bizarre. J'ai les tenues spéciaux. Merde. Vas-y, vas-y. Maintenant, je ne joue qu'avec cette tenue-là. Rien d'autre. Alors, je kiffe cette tenue. Ça fait un peu Lara Croft, comme je disais, Hooper, tiens, par exemple. Je crois que c'était. Je kiffe ce costume-là. Et ce costume, le clair, c'est le costume originel. Je kiffe. Et Carlos, par contre, tu vois, il y a ce costume-là et il y a sa coupe d'avant. Voilà, alors, défi, on en est où? Bon, ça c'est tous les défis, les récompenses, ok. Il nous manquerait as de gâchette, les fragments pistolets, les fragments pompes, les fragments grenades, les fragments magnum. Putain, j'ai fait tant de fragments magnum! Ah ouais! Fragments fusil d'assaut. 600 et demi, 100, 1400, 2000, ok. Vaincre. J'ai pas fait. Ah si, j'ai fait. Ça va arriver tout seul. Récupérer ça, ça va se faire tout seul. Ça, putain, il me manque 5. Eh, j'ai pas, pourtant, j'ai pas utilisé celui-ci. Je les ai presque tous trouvés. Je peux pas de test. Ça c'est mode enfer. Compléter le rang S en normal, en hardcore, en cauchemar, en enfer. Compléter en rang A, compléter en rang S.
Finir le jeu sans ouvrir de coffre. Finir le jeu sans utiliser d'objet. Finir le jeu en mode 2 heures. Ok. Prochain objectif, on fait le jeu en facile sans ouvrir le coffre. Boutique. Et merde, j'ai pas assez pour le coupon. Concept art, on va checker les concept art. Ok, ça on avait déjà vu. Putain, deuxième forme de merde. Enter Gamma. La ville de Rockham City. Oh, appart. Ça c'est quand même ici, c'est passé pour la merde. C'est le début d'Horstude 3 quand il y a l'autre qui s'enferme. Là je vois pas. Bah si c'est un magasin qu'on rentre, j'ai un doute, je sais pas. Net, ça c'est la station essence. Hôpital, ça c'est pas beau. Ok. Pas mal ça. Ouais. En vrai, non mais si c'est, je préfère sa tête d'avant quand même. Megaman, pour nous dire qu'il y a un jeu Megaman qui va bientôt sortir. Les modèles, putain, j'ai aucun modèle en plus. Ah si, celui-là. C'est ça, les bébêtes qui n'aiment pas la vie. Je veux dire, Nana. Ça va, ils sont moins dangereux parce que dans l'original, ils sont beaucoup plus dangereux. Bon. Non ? Il est joli mon nouveau fond d'écran. Bref, bon je vais arrêter parce qu'il fait quand même 2h30 l'ardif. Demain, j'aurai du multi pour faire les défis quotidiennes et après on se lance sur finir le jeu sans ouvrir de coffre. Allez, j'y go. Salut.